Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tasse du jour, bonjour, je suis un génie. Pas moi, mais lui c'est un génie. Et tu as le droit à 3 vœux. Hey, question du jour, si vous aviez le droit à 3 vœux, qu'est-ce que vous demanderiez? La dernière fois, on s'est posé la question avec Corinne tout bêtement. Et on n'en a même pas su. On les a reçus hier. Nous sommes dimanche pour le côté info, on les a reçus samedi. C'est notre commande de chez VIP. Donc première fois que je bois dedans. Ah, il est bon. Précise que c'est des officiels de Disneyland quand même. Oui, mais je l'avais précisé la dernière fois dans la vidéo. Regarde, tout simplement. C'est pas des Disney, c'est pas des Disney Store, c'est des Disneyland. Donc il y avait une vente privée sur VIP de tasses. On en a commandé 4 et on a reçu les 4. Bah oui, c'est logique, t'en as commandé 4. t'en reçois pas une gratos. Ils devraient faire ça, Disneyland, là, Shop Disney. Ils devraient faire genre t'en commandes 5, t'en as une gratos. Bref, on a reçu 4 nouvelles tasses. Je vais vous les montrer. Mais avant, je vais juste vous dire que je n'ai pas du tout vu la semaine passée. Je sais que beaucoup sont en train de se dire, mais Romain, tu déconnes, tu fais plus de vidéos la semaine, tu fais ci, tu fais ça. Bah franchement, cette semaine, je ne l'ai pas vu passer. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, tout ce qu'on avait prévu à l'aménagement, c'est ça, hein, quand on a emménagé ici, on avait tellement de choses de prévues qu'on voulait faire, bah, que je voulais faire, que Corinne voulait que je fasse. On va faire dans le sens que Corinne voulait que je fasse pendant le confinement, que j'ai eu la flemme, je ne l'ai pas fait. Et là, cette semaine, je me suis décidé à faire tout ce que je devais faire dans la maison. Et comment dire que c'est long, c'est très très long et c'est de la peinture, un truc que je raffole énormément. Donc j'ai fini la chambre. Céline, si tu passes par là, hein, c'est la dernière fois, c'est à ma saoulée. Hein, hein. Elle m'a forcé en disant ouais, nanana, tu devrais faire. Bref, et donc en gros, j'ai fini la chambre de Yaël. Et en fait, donc je vais vous expliquer un peu, parce que je vais pas vous montrer la chambre de Yaël parce que c'est son intimité. Et voilà, je lui ai donc tout repeint sa chambre et je lui ai monté un nouveau dressing. Un truc, franchement, mais trop rapide. On va le faire dans notre chambre juste après. Bah, dans cette semaine ou dans la semaine prochaine. Et donc je pense que je vous le montrerai là. Et franchement, c'est un truc qui nous a coûté juste la tringle à rideaux, parce que c'est des trucs qu'on avait déjà. La tringle à rideaux, les rideaux, ça nous a coûté 20 balles et encore 34 euros. Oui, celle de Yael, parce que la note est encore moins chère. Ah bah oui, parce que parce qu'en fait elle est partie chez Babou acheter la tringle à nana, et après elle est partie chez Tati et c'était beaucoup moins cher. Voilà. À part cette chambre, j'ai repeint et enfin Corinne m'a les toilettes du haut. Donc je sais pas si on les avait montrées ces toilettes au tout début qu'on est arrivé. Donc c'était des toilettes, donc déjà elles sont très hautes, hein, vu qu'on est dans une maison très très haute, très haut en plafond. Et en fait ces toilettes étaient un côté marron, un côté jaune, un côté vert, plafond jaune. Et mais, donc il y avait ça, et mais par contre ils avaient kiffé à mettre toutes leurs mains, voilà, partout. Et c'était fort intéressant à peindre, parce que déjà un, c'était de la peinture un peu satinée, donc c'est super dur à repeindre, parce qu'une fois que tu passes un coup de rouleau, si tu repasses un coup, ça t'enlève la peinture que tu as dessus, donc c'est pas ouf. Et après deux couches, il y avait encore la marque des mains. Tu voyais encore la marque des mains sur certains murs, donc marron en plus. On a dit souvent, nous, on s'était dit, ouais, t'as l'impression ils se sont torchés. Et voilà, bref, c'est dégueulasse ce que je dis, mais souvent on se l'est dit en rigolant. Voilà. Et ça, et j'ai changé, je vais vous montrer ça tout de suite après. Et j'ai fignolé hier, donc samedi. J'ai changé toute la tanière pour ceux et celles qui nous suivent depuis qu'on est emménagé là. Donc la tanière, c'est la pièce de tout en haut où il y avait à l'origine mon
Je l'ai installé pour rien en fait, parce que j'ai jamais fait. J'avais installé mon plan de travail de scrapbooking et je crois que j'ai dû faire 2 pages sur ce plan de travail. Et donc, comme je disais, il m'a servi pas à grand chose parce que je n'ai pas fait beaucoup de scrapbooking depuis que j'ai. Depuis qu'on a emménagé ici. Bref, donc j'ai tout viré, tout ce qu'il y avait là-haut, et on a fait une salle. On peut l'appeler comment ? Appelons un chat un chat ? Une salle de cinéma. Une salle de détente. Une salle de pause. Et ça fait très salle de pause. Hein. Bref, je vous montrerai ça après. Donc voilà, j'ai fait pas mal de travaux dans la maison. Il me reste encore énormément de travaux à faire. Et le plus long, ça va être notre chambre. Parce que bah, les murs marron, turquoise, à repeindre en blanc. Et après, je vais lui faire un dressing. Lui faire, parce que moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai pas de vêtements. Vas-y, verse ta larme aussi, vas-y. Non, sincèrement avec vous, elle me gave tous les jours en disant « Ouais, achète-toi des vêtements. » Mais non, j'en ai pas besoin, j'ai déjà un pull. J'ai déjà un pantalon, ça me suffit. Un pantalon, un pull. Bah, j'ai 2 pantalons, 2 pulls, ça me suffit. Quand il y en a un qui est au lavage, voilà, j'en ai pas besoin d'autres, quoi. Bref, je vais peut-être vous montrer les tasses qu'on a reçues. Donc, attendez, je finis mon café. Hop, on a commandé donc sur Vipi ces petites tasses. Et comme je l'ai dit la dernière fois, elles étaient jusqu'à moins 70%. Voilà, c'était juste pour l'info, le côté info. Parce qu'en fait, en soi, on les a eu à quoi ? À 10 euros chacune, même pas ? Même pas, parce qu'on en a eu pour 36 euros. 36 euros les 4, donc ça veut dire moins de 10 euros chacune. Avec 5 euros de frais de port. Quand tu sais que techniquement, elles sont à... Les grosses comme ça sur la carte. Il y avait les prix dessous. 16,99€. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est même ce que je pensais. C'est même ce que j'ai vu. Donc, les 2 petites tasses comme ça, petites, bon, en fait, elles sont grosses, hein, que. On s'est même dit que Primark avait sûrement copié parce que. Primark, il y a les mêmes. On les a aussi de chez Primark. Ensuite, donc, il y a la génie que je viens de boire mon café et celle-ci qui est trop cutie. Ouais, j'emploie des mots un peu chelous, cutie. Le seul bémol que je trouve à cette tasse, c'est le côté plastique de là-haut. Non, tu ne trouves pas ? De quoi ? Le côté chapeau plastique. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Franchement, quand je l'avais vu sur le site internet, je pensais vraiment que c'était un chapeau en porcelaine comme le reste, que tu posais dessus. Voire, ils auraient dû peut-être même laisser un petit trou quelque part pour pouvoir mettre la boule à thé. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, mais le côté plastique un peu du truc... Ça me chagrine un peu, mais bon, bref, hein, elle coûtait celle-ci. Ah, j'ai même pas vu le prix tout. 20,99€. Ah oui, celle-ci, oui, elle était beaucoup plus chère. Donc, comme je vous dis, on a fait une très très bonne affaire sur Vipi. Voilà. Voilà pour les tasses qu'on a commandées sur Vipi. Et comme j'ai dit, nous sommes dimanche et comme des dimanches, des brocanches. Ouais. Tu sens à la voix. Genre, on aurait pu commencer dans la voiture, tout ça, mais en fait, j'avais pas de batterie, tout ça. Bref, tu connais. Je raconte n'importe quoi. Non, mais j'avais vraiment pas de batterie. J'ai voulu commencer à me filmer dans la voiture en disant, ouais, on va en brocante et tout, nanana. Et finalement, c'était mort. On a trouvé quelques petits... Oh, 2 pépites. Oui. 2 pépites. Je trouve pour moi, hein, ces 2 pépites. Je vais commencer par celle que j'affectionne le moins. Dans les pépites, dans ce qu'on a trouvé. Bah, c'est une Euro Disney quand même. Oui, c'est une Euro Disney, une petite mini peluche. Voilà. Donc c'est une Disney, il y a marqué, il y a le château Disney, nanana. Et derrière, il y a marqué Marne-la-Vallée, tout ça, tout ça, tout ça. Alors pour côté info, parce qu'on avait dit qu'on disait info. Oui. On l'a payé combien ? 2 euros parce qu'ils ont vu qu'on était intéressé. Je pense qu'à 1 euro, on la prenait. Hein. Mais je suis sûr que la grosse... Oui, elle voulait, mais je pense que c'est ce qu'elle attendait, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait une très grosse peluche. J'aurais dû lui demander le mini, et je pense qu'elle attendait qu'on lui dise « Ouais, nanana, mais bon... » Comment dire ? Elle m'inspirait pas très confiant. Ouais, non, puis après, c'est aussi le... Ouais, c'est le côté plaisir de... Voilà, de le chercher, parce qu'au début, on aurait pu lui dire « Oui, bah voilà, donner le numéro, mais bon, non. » C'est vraiment le but de chercher.
Voilà, donc elle nous l'a fait à 2 euros, je sais pas combien elle vaut, mais bon, ça coûte une peluche, on va dire 15 balles. Ça, c'est 15 sachant qu'elle est, j'ai l'impression qu'elle est neuve. Elle a dit qu'elle avait acheté pour l'anniversaire de sa fille, pour ses 1 an. Baptême. Ou baptême, je sais plus. Elle avait acheté plein de peluches. Donc, voilà, donc elle est toute neuve, toute neuve. Ensuite, petit puzzle, 200 pièces, je le trouve trop beau. Je l'avais pas vu, c'est Corinne qui l'a vu. Je le trouve trop trop beau. Après 200 pièces, normalement ça devrait se faire vite fait. Il y a la taille. Sympa. 40 par 28. Ouais, c'est un cadre photo. Donc je me dis, on peut le faire et l'accrocher. Je sais pas, la chambre. Donc super sympa avec tous les personnages. Je pense qu'il va être super. Bon, je vais pas vous le faire parce que. À 200 pièces. 200 euros. Tu l'avais payé combien ? 2 euros. 2 euros. Ouais, c'est le petit garçon, il vendait ses jouets. Après, je ne sais pas au niveau prix ce que ça vaut. Puzzle, faut compter. Bah, là, actuellement, à Action, ils sont à 2,50 les puzzles. Ouais, des Disney ? Ouais, des Disney, ouais. J'en ai pris un à Toy Story. Ah ouais, donc c'est les prix. C'est les prix. Ensuite, ah, je ne sais plus. Je ne sais pas par quoi commencer. Pique-nique douille, c'est toi, l'an douille. Je vois dans un fond de carton, tu as entendu le bruit, tu sais ce que ça veut dire. Ouais. Dans un vieille caisse comme ça qui traînait tout ça, et je vois ce château. Voilà, tu peux voir Euro Disney, et je tourne la truc, je vois McDonald's, et dans ce carton je vois le McDonald's. Donc je me dis bon bah toi c'est QFD s'il y a McDonald's. Voilà. Attendez, hop, je vais remettre propre, ça doit être ça. Donc j'ai trouvé ces deux petites tasses Euro Disney McDonald's. Alors c'est Euro Disney Resort, franchement, avec des ballons derrière et tout, ouais, vous voyez plus. À vrai dire, on sait pas du tout de quelle année elle date. On a regardé sur internet, c'est 10 euros pièce. Oui. Voilà, 10 euros pièce, et nous les avons sur internet. On les a pas payés ce prix là hein. Oui, ce que je veux dire, sur internet. Et on les a achetés pour 50 centimes pièce. Voilà, pour le côté info, la personne, on les a vus. Et en fait, je me suis dit, déjà un Euro Disney McDonald's, autant des Euro Disney Esso, on en voit, des McDonald's, c'était la première fois que j'en voyais. Voilà, donc j'imagine que ça devait être sur le McDonald's de Disney Village qui devait les faire. Ou c'est qu'il y a eu une période où McDo ont été partenaires officiels de... Je sais pas, mais elles sont à la maison. Donc voilà, donc 50 centimes, sachant que, comme je vous ai dit, on va dire côté 10 euros. Allez, je crois que le plus petit qu'on a vu, c'était 8,99 €. Mais à mon avis, il y a les frais de port, donc ça vaut 10 euros. Ça. Donc on est énormément contents, ce qui amène maintenant notre collection... avec ces deux nouvelles tasses à 166, je crois. Ouais. Ouais, je sais, c'est énorme. C'est n'importe quoi, surtout. Comme mamie. Désolé, le programme a été interrompu pour ne pas sensibiliser le... pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Bref, alors, le dernier petit truc qu'on a trouvé, franchement, je l'ai vu, mais au début, on s'est dit ouais, pourquoi pas. Mais finalement, on trouve que c'était une bonne affaire. C'est le Yahtzee. Alors, Disney Yahtzee, franchement, je ne savais même pas qu'il le faisait. MB. Est-ce qu'il y a peut-être une date sur celui-ci ? 1992. Il est vieux parce qu'il y a Marie de Verpy, là. Elle l'avait quand elle était gamine. Bah, il y a marqué 1992. Elle vient de me le marquer. Oh, je l'avais quand j'étais gamine. Donc fabriqué en Suisse, 1992, MB de jeu. Donc il se présente comme ça. Donc il y a des petits pions, faut jouer tout ça. Il est complet. Le seul petit défaut, c'est qu'ils ont marqué leur prénom. Mais bon, après, en soi, c'est qu'un petit détail. Nous l'avons payé 4 euros. Ouais. Alors, la fille a me dit 5 euros. Je dis ok. Mais je regarde, en fait, je regardais à l'intérieur pour voir si tout ça. Elle me dit, ouais, si vous voulez parler, on peut négocier à 4 euros. Ouais, j'étais pas négocié, moi, et tout. Et aujourd'hui, ouais, ils ont tous été comme ça, quoi. J'ai pas négocié, je voulais regarder juste comme ça. Elle me dit, bah, 4 euros.
Je dis, bah allez, je regarde Cory, si on le ferait ou pas. Je dis, bah allez, vas-y, pour 4 euros, puis ça ira avec nous, nos jeux Disney. Et en plus, on y a trouvé, ça y est, enfin, une belle place qui va arriver dans la semaine prochaine. Ça va être, tout dépend de si j'ai assez de palettes. On a récupéré 5-6 palettes aujourd'hui. 4-5 ouais, 4-5 palettes aujourd'hui. Bref. Je m'égare parce qu'en fait, vu que je parle pas de toute la semaine, automatiquement, sur cette vidéo, je me lâche et je dis tout ce que j'ai à dire de toute la semaine. Coucou le bébé Raja. Il y a ma fifi. Oh, ma fifi. Il y a les mignons. Et donc on lui donne un billet, elle me dit, et elle nous dit, elle fait, bah, je veux combien alors, 4 ou 5 euros? J'ai dit, bah, vous avez dit 4, tu payes 4 quoi. Voilà. Donc, j'ai perdu la notice. Il est totalement complet. Il y a la notice, il y a les, il y a la plaque et tout. Donc, il y a les petits dés. Avec le... Voilà. Donc, en tout cas, c'est. Et donc, pour le côté info, côté 20 euros. Si je... Non, 4, 12, 6, 20. Non, je l'ai vu à 12 euros. Voilà, 12 euros. On va dire côté. En fait, je dis côté, mais je ne suis pas un professionnel. Je tiens à le préciser avant qu'on vienne me soulever avec ça. C'est juste les prix qu'on a vus sur Internet. Ça se trouve c'est sous-coté à 12 euros. Ça se trouve c'est sur-coté à 12 euros. Donc c'est pour ça. Nous l'avons vu sur Internet à 12 euros. Mais bon, techniquement, de quoi? Non. Ah, tu veux regarder avec le vrai nom? Ouais, parce que c'est pas le même que t'as vu à 12 euros. Non. YAHTZEE. Je vais ramasser la notice. Hop. 15 euros plus 4,95 euros de frais de port. Donc voilà, donc j'avais bien dit 20 euros d'origine. Ouais, j'avais dit 20 euros. Donc. Mais on commence à avoir une bonne petite collection de jeux. De jeux vintage. On n'y joue pas parce qu'on ne prend pas le temps. Mais il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Bon, de toute façon, si bientôt confinement, on aura le temps. Si bientôt confinement, il y aura le temps. Bah. Voilà. Eh ouais. C'est un sujet tabou. C'est ça. C'est un sujet tabou. Oui. Bref, voilà pour nos petites trouvailles du jour. Bonjour. Est-ce que je ne montrerai pas directement dans la tanière? Vous montrez? Et donc, on se retrouve dans la nouvelle tanière. Nouvelle salle de pause. Franchement, je trouve que ça fait trop salle de pause dans les grosses sociétés. Bon, même si je pense que dans la salle de pause, il n'y a pas de Disney dedans. Voilà, j'ai totalement tout changé cette pièce. À part cette partie-là, il y a un truc qui a changé, je vais vous le montrer tout de suite après. Donc je vais commencer par ce papier peint qui à l'origine était juste ici. Donc voilà. Donc ce pain, une réflexion qui n'a pas abouti en fait. Alors, je vous explique. Donc, cette salle, à l'origine, était pour du scrapbooking, de la création. Tout ça, je vais vous en parler après. En fait, ça a déménagé juste derrière ce mur-là. À croire que j'aime être dans des endroits pas propres, pas où il y a le bordel. Voilà, bref, je vous explique voilà un peu la réflexion de la chose. Ce mur-là, je l'ai repeint en blanc. Donc, celui-là que vous venez de voir. Je l'ai repeint en blanc. Pourquoi? Parce que donc on a un vidéoprojecteur depuis quelques temps, depuis même quelques années. On l'utilise, mais on voulait vraiment la base de la base de la base de cette pièce devait être une salle de cinéma. Ensuite, voilà, on a fait l'atelier, on s'est dit, oh, on va mettre le cinéma dedans et tout ça. Mais avec le bordel de l'atelier, en fait, t'as pas envie de venir. Voilà. Donc, voilà la base. Ça date de un an et demi quand on a emménagé ici. Donc le canapé était là. Donc quand j'ai déménagé en fait le papier peint ici, j'ai voulu repeindre le mur ici pour pouvoir avoir donc le canapé projeté sur ce mur blanc là. Mais tout a changé au fur et à mesure du temps. On a trouvé d'occasion un nouveau canapé qui est juste ici. Donc nous avons deux canapés ici. Donc l'ancien, le clic-clac, qu'il va falloir laver la housse parce que quand tu vois la différence de couleur entre l'une et l'autre. Bref, un canapé qu'on n'a pas trouvé cher sur Place Market. Voilà, là techniquement, vous avez le vidéoprojecteur qui va juste ici. Et ça projette sur un voile qui est juste ici.
Alors, franchement, c'est un truc qu'on a trouvé. Là, la lumière, c'est pas ouf. C'est un truc qu'on a trouvé sur Amazon. Ça coûte 14 euros. Franchement, c'est. Je trouve, franchement, c'est pas cher pour un délire comme ça. Ce sont des petits crochets. Je sais pas si vous les voyez. On va se rapprocher, peut-être. Ce sont des petits crochets comme ceci. Là. Et en fait, donc, on le met. Tac, 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 tac. Si je veux, je peux l'enlever. Hein. De toute façon, elle n'était pas bien placée. ce cadre, parce qu'on le voit à travers dans les. C'est juste une toile. Je peux l'enlever. Hein. Bon, bref, je ne veux pas me prendre trop la tête. Et donc, en gros, on peut projeter là-dedans. Et c'est plutôt stylé. On a fait une séance vidéo hier avec Avenger Infinity War pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Et franchement, ça déboîte de fou. En investissement, c'est le seul truc qu'on a fait. Je pense pour ça et le canapé. Mais bon, le canapé, de toute façon, automatiquement, si on en prend soin, il arrivera à, on va dire, à l'investissement pour nos enfants ou un truc comme ça d'ici là, d'ici. Bref, c'est un investissement, mais un petit investissement, sachant qu'on l'a pris d'occasion, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et ça, c'est le seul investissement réel qui nous a coûté 14 euros et qui a changé cette pièce-là d'atelier en salle de cinéma. Sérieusement, c'est un truc de fou. J'ai des enceintes que j'avais depuis, franchement, je les ai depuis même, je crois, avant Corinne. Elles sont juste ici, je les ai fixées là. Il faut juste que je fasse un système, voilà, là et là. Il faut que je fasse un système pour que les fils soient propres. Regardez ça, c'est un truc que j'ai fait, mais bon, je vais vous expliquer aussi après. Et donc, en fait, on est passé d'une simple salle, je trouve, bordel, à une salle plutôt stylée. Donc ici, ça n'a pas changé. Là, j'ai commencé à faire le mur. Donc voilà, avec un peu de tout. T'as vu Karine? Il est toujours là, le poster. Là, j'ai ce mur-là à finir. Donc ça, je peux l'enlever quand je veux. Hein. Je pense que là même... Non, je crois que ce soir, on va faire une petite séance encore. On va regarder la deuxième partie, Endgame. Donc je pense que je vais le laisser pour ce soir. Demain, je l'enlèverai. Ou ce soir, non, demain. Parce que les films sont assez longs. Voilà. Ensuite, donc tout le papier peint, je l'ai mis tout autour. Là, en gros, je vais faire des petites... des petites, c'est pas des petites. Parce que vous voyez qu'il y a des rebords. À l'origine, c'est pour les étagères. Je vais faire les étagères. Il y a des... peluches qui pour le moment sont là, voilà, là. Les jeux de société, je vous ai dit qu'on a trouvé une place, je pense qu'ils iront tous là. Donc voilà, on a un petit meuble là pour le moment qui est juste ici, vous en avez un autre ici. Mais voilà, bref, je vous montre un peu en gros l'évolution, on va dire, de notre de la pièce. Hein, parce que voilà, si vous me suivez depuis très longtemps, vous l'avez déjà vu énormément cette pièce. Et... elle a changé de tout au tout. Je trouve pour moi, juste avec changement de, un mur blanc, changement de papier peint et cette toile-là, franchement, au début, on voulait vraiment faire ça sur le mur. Et quand on a vu ça, on s'est dit, allez, allez, on le fait, on va voir, peut-être que c'est de la merde. Mais en fait, non, c'est super bien, ça projette trop bien tout ça dessus. Et voilà. Et là, donc là, je vais sûrement faire une petite... parce que pour le moment, il y a ce petit fauteuil. Je vais sûrement faire une petite table basse, histoire de dire. Mais bon, je trouve que ça fait, franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ça fait un peu genre le mec qui se la pète. Hein. Ben, faut dire ce qui est. Désolé si c'est le cas, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pour vous partager le délire qu'on a eu de faire cette pièce-là. Et peut-être pour que certaines d'entre vous... Bon, je l'admets, tout le monde n'a pas une pièce en plus... Je l'admets, nous quand on a emménagé ici, on a emménagé spécialement parce qu'il y avait énormément de place. Mais je l'avoue que peut-être que, voilà. Donc, mais ça peut être une idée. Pour info, les vidéoprojecteurs en ce moment, c'est 70 euros. Ça, c'est 14 euros sur Amazon. Même je pense que des vidéoprojecteurs, on peut même en trouver à 50 euros. Après, si tu vas sur AliExpress, tout ça, je suis sûr que tu peux en trouver même à 30 euros. Donc tu peux avoir une petite salle de cinéma, le home cinéma, c'est même pas un home cinéma, c'est des enceintes d'ordinateur que j'ai, hein, avec un, on va dire un 2.1, ça dans la tête pour aller 10 balles,
15 balles à tout péter, tu vas au premier prix de chez Carrefour, t'en as peut-être à 10, 15 balles. Allez, à 100 balles, tu peux te faire une salle de cinéma. Donc c'est pas énorme, c'est pas fifou en fait, hein, quand tu penses, c'est pas une grosse salle de cinéma à l'américaine avec les gros fauteuils, tout ça, mais j'en suis plutôt content, donc c'est pour ça que je voulais la partager et peut-être donner des idées à des personnes. Bon bref, je sais que t'es en train de te dire, ouais, l'atelier, nanana, il est où? Je vous l'ai dit, il est juste derrière là. Oh, transition à balle 2, blanc sur blanc, genre en mode. Donc voilà ma nouvelle salle de création, on va dire de voilà, où je passe très clairement mon temps. Alors c'est beaucoup moins glamour que la pièce. À vrai dire, donc cette pièce là, si je me mets comme ça, on va avoir un peu plus de lumière, mais il y a un peu plus de bordel. Ici, en fait, voilà, c'est beaucoup moins glamour à filmer, hein, tout simplement. Mais je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait cette semaine. Donc la pièce que vous avez eue derrière, je l'ai faite en, allez, à tout péter en 3 jours, ouais, à peu près, sans compter la peinture. En gros, toute cette semaine, j'ai été focalisé sur cette peinture de la chambre de Yael, la chambre de cette pièce-là, les toilettes, bref, toute la peinture. Mais j'étais à côté en mode création, pur et simple ici. Alors par contre, ça me fait des cernes de malade, cette luminosité. Je déteste. Ah ! Non mais sérieux ? Si je me recule, si je me mets comme ça, c'est bon, on voit pas mes cernes. Mais on voit le bordel. Mais j'ai aussi réaménagé, entre guillemets, toute cette pièce parce que bah, je l'avais montré il y a... Alors je suis désolé du bordel, comme je vous ai dit, c'est pas du tout glamour ici. Je sais pas du tout où me mettre. Je vais me mettre comme ça. Là, comme ça, on se rapproche de ce que j'ai fait cette semaine. Mais la luminosité n'est pas ouf. Comme ça. Voilà, Romain, enfin. Alors désolé, la vidéo est longue. Et longue, mais bon, hein, vaut mieux une longue vidéo de dimanche que pas de dimanche, pas de vidéo, hein. Bref, donc j'ai été très pris par ces peintures, mais aussi par des petites et nouvelles créations que je fais. Hop, je vous montre celles que je peux vous montrer parce qu'en fait il y a énormément de trucs que je peux pas vous montrer parce que ce sont des futurs cadeaux pour celles qui sont proches, vous allez comprendre, hein, tout de suite. Et voilà, je l'ai dit la semaine dernière, je crois que j'avais... ouais, si, je vous ai montré un truc Halloween que j'ai laissé en bas. Ça, même ça, faut que je vous montre. Donc en gros, il y a 2-3 semaines, j'ai eu une folie. J'ai eu une folie de me dire que je voulais une découpeuse laser, graveuse laser. Voilà. On passe d'une machine caméo qui découpe du papier à du truc qui découpe du bois. Voilà, tout simplement. Et donc, à vrai dire, j'ai voilà, on a investi là-dedans voilà, depuis 2 semaines. Et comment dire que ça a été très long à trouver des réglages. Mais maintenant que je l'ai, je fais des trucs toute la journée. Toute la journée. Donc si tu as vu sur si tu es Instagram, tu as peut-être vu cette petite boule, voilà, je vais essayer de la remettre, voilà, petite boule Mickey que j'ai faite en début de semaine, si je me rappelle bien. J'ai fait, donc je sais que ça intéresse certains, mais d'autres que ça intéresse pas, mais c'est juste pour vous montrer à peu près, voilà, le pourquoi il n'y a pas de vidéo, surtout parce que bah, je fais beaucoup de petits trucs comme ça et c'est assez long à design et à faire, voilà, tout simplement, plus la peinture, tout ça, bref, voilà, tout ça. Je peux vous montrer voilà, juste un côté. Donc j'ai fait aussi des petits rondins de bois comme ça, gravé. Donc je vous montre pas le... Voilà. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait... Ça c'est mon premier, mais il en... J'ai fait ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Tu sais, t'as compris. Ensuite,
J'ai fait ça. Home Sweet Home. Donc il est tout gravé, hein, bien sûr. Je me suis amusé à faire. Ouais, voilà, tu comprends. Je me suis amusé à faire plein de choses cette semaine. Donc, et à vrai dire, ça prend énormément de temps à faire. Je sais même plus comment c'est comme ça, je crois. Une flèche avec des plumes. Voilà. Ensuite, j'ai fait plein de lettres. Ah, c'est pour Yael. J'ai fait plein de lettres et ça va arriver dans sa chambre pour sa déco. Et elle m'a demandé des trucs chelous. Enfin, des trucs vraiment chelous. Son délire, c'est son délire, voilà. Donc, elle m'a demandé des trucs anatomiques. Des panneaux anatomiques parce que Yael veut être médecin. Et elle a un délire de... Voilà. Ah, donc là, c'est une main. Voilà. Une main, juste les os, les métacarpes, les carpes, les phalanges. Donc voilà, c'est les dessins officiels, on va dire, de trucs. Un cerveau. Voilà. Alors le côté un peu cassé, c'est fait exprès. Hein. C'est pour le côté délire, un peu planche de bois. Voilà. Un cœur. Celui-ci est un peu mal fait parce que c'est le premier que j'ai fait. Et j'avais pas encore les règles, les règles. 20 cafes supérieures, oreillette droite, ventricule droit, ventricule gauche, oreillette gauche, pulmonaire, le cœur vu par sa face antérieure, donc voilà. Après, elle a la cage thoracique avec les trucs, mais je crois que c'est écrit en anglais, ribs, les côtes, costal cartilage, true ribs, donc les vrais, ouais, voilà. Anatomy of human ribs. Voilà. Et bien sûr, elle le voulait absolument, un truc avec un crâne, avec frontal, panétal, fosse temporale, orbite, fosse nasale, zygomatique, mâchoire, mandibule, os mastoïde. Voilà. Donc voilà pour le petit délire que j'ai fait. Et encore, j'ai d'autres trucs derrière, mais bon, voilà, je vais éviter de faire trop une vidéo trop longue pour aujourd'hui. Voilà, parce que je pense qu'avec tout ce que je vous ai montré ce matin, plus ce que je vous ai montré là, ça fait une vidéo de une demi-heure environ. Là, je vais continuer ce que j'ai à faire, c'est-à-dire il faut que je trouve du fil pour faire mon branchement propre derrière. Voilà. Mis à part ça, j'ai encore de la peinture à faire, des portes. Je pense que notre chambre, je l'enchaînerai dans la semaine prochaine, genre ce dimanche prochain. Voili voilou. Et si, en fait, j'ai énormément de trucs. En fait, il y a plein de trucs que, comme je vous ai dit, hein, qu'on voulait faire pendant qu'on est arrivé, mais soit on n'avait pas les finances, soit on n'avait pas le temps. Et que là, on se permet de le faire parce que voilà, un pot de peinture maintenant chez Action ça coûte 11 euros. Avant ça coûtait 56 euros, 12 euros exactement un pot de chez Action. La qualité n'est pas ouf, mais bon, ça passe. Tu mets 2-3 couches, ça passe. Avant, il fallait t'acheter 56 euros le pot de peinture, mais vu que tu le fais mal, tu mettais 3 couches quand même. Voilà, donc ça coûte beaucoup moins cher. Bon, bref, allez, j'arrête de papoter pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, grande vidéo, t'aura plu. N'hésite pas, voilà, à me dire ce que tu penses de tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Voilà, et je te dis pas demain, parce que demain, j'ai encore plein de travaux à faire et je sais pas trop, j'aime bien faire une vidéo par semaine, on m'avait dit un jour, ouais, fais une vidéo par semaine. Au pire, ce que je vais essayer de faire, en plus, alors, tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai dit, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais je voulais pas montrer. Ouais, c'était ça. Alors, je l'ai cassé, je crois. Ouais, je l'ai décollé. Alors, je sais que il y en a un, il va se sauter comme un ouf. Marie, ton fils, cache-le. Voilà, donc... Comme je vous ai dit, avec la machine, tout ça, je peux découper du bois, mais aussi du carton. Et cette semaine, fin de semaine dernière, j'ai fait le casque. Alors, franchement, c'est mon premier. Je le garde parce que voilà, parce que c'est mon premier, il faut absolument que je le retravaille. Mais j'ai fait le casque d'Iron Man, voilà, que j'ai peint en noir un peu doré, noir brillant. Voilà, c'est mon premier. Il ne me va pas, hein, il est trop petit. Là, il faut que je retravaille une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire pour la maison et pour Yael. Je vais m'en refaire un et je vais essayer d'en refaire un grand pour que je puisse le mettre. Mais en carton,
Tout simplement, c'est les cartons, vous pouvez voir à l'intérieur, c'est le carton de lessive extra. Plutôt stylé, hein. Franchement, je le kiffe, donc je l'ai mis sur un piédestal qui est normalement dans l'autre pièce. Voilà, dans la nouvelle pièce. Allez, j'arrête de papoter, n'oublie pas, petit pouce bleu, petit pouce rouge, petit commentaire, petit partage. Non, partage, on s'en ouf. Petit abonnement, si t'es pas abonné. T'es genre le mec, il te sort, vas-y, tu fais ce que tu veux, c'est ta life. Voilà, tu fais comme t'as envie. Bref, allez, je te fais des petits bisous. Je te dis à peut-être dans la semaine ou dimanche prochain. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou.